Bonsoir, bonsoir tout le monde. Ici Louisane Venne-Landry de chez Quintessence. Je suis avec vous pour un autre de nos rendez-vous du mercredi soir 8 h. Alors, je vais débuter une nouvelle série de live avec un grand thème qui va se défiler tout au long de ce nouveau thème. Alors là, j'attends de voir s'il y a des gens qui sont en ligne avec moi. Je sens que ça commence doucement à se connecter. Si vous êtes là avec moi, vous me faites un petit pouce, vous me faites un petit coucou. Je vais attendre quelques minutes avant de rentrer dans le vif de mon sujet, qu'il y ait le plus possible de gens. Bon, je vois un petit pouce, alors il y a au moins une personne qui est là. Bon, ici dans mon compteur, on me dit qu'il y a 5 personnes qui sont là avec moi présentement. Bonsoir tout le monde. Dites-moi qui est là en ligne, je ne vois pas de nom, faites-moi des petits coucous. Allô Martine, bon, ok, ça commence à rentrer un petit peu plus. Alors, ça va être encore une super rencontre qu'on va faire ensemble. Monique est là. On va venir encore s'accompagner. Coucou, maman! Sylvie, allô Sylvie, ça me fait plaisir que tu sois là aussi. Donc, déjà près de 40 personnes, pas 44 personnes sont en ligne. Joanne Lara, coucou! Alors, allô tout le monde, ça me fait plaisir que vous soyez avec moi ce soir. Je débute une série. Allô Jean-François, allô ami de Louise Morin, super Louise Morin. Coucou Suzanne, Philippe, allô Philippe, bonsoir Daphné, allô tout le monde, ça se branche là, rapidement, je suis contente, Daniel est là, Hélène, allô, alors on est rendu, là, Rémi se joint à nous, coucou Rémi, allô, alors... Vous pouvez déjà, si vous trouvez que mes lives sont intéressants, de commencer à les partager dans votre réseau. Comme ça, le plus de gens vont se joindre à nous là, dans le temps réel où on se parle. Donc, allô Chantal, Lynn, Suzanne, allô tout le monde. Donc, n'hésitez pas à partager sur votre circuit, votre réseau d'amis Facebook, que ce live a lieu maintenant. Alors, il y a plus de gens qui sont là présentement, plus il y a de petits pouces, plus il y a de petits cœurs, plus Facebook fait circuler les lives. Donc, ils ont besoin de sentir cet intérêt. Allô, Lynn! Alors bon, ben, on est déjà rendu près de 30 personnes après quelques minutes. Je suis vraiment contente. Alors, je vous partage le thème de ma soirée. Nous allons parler d'énergie. Nous allons aborder ce soir une série de lives du mercredi sur l'énergie. On va parler de l'intangible, on va parler de l'invisible, on va parler de ce qui a un très, très, très grand impact dans notre vie, mais qu'on ne voit pas, qu'on ne conscientise pas. Salut José, salut Véronique, les gens se joignent doucement à nous. Donc, mon premier live sur l'énergie. Et ce soir, ben, je vais vous parler de comment conserver son énergie sacrée. Et je l'appelle de l'énergie sacrée parce que c'est une énergie qui nous appartient et qui est le centre de notre être. Alors Fabienne se joint à nous, Louis se joint à nous. Salut tout le monde, bonsoir, bonsoir. Alors on parle d'énergie. On parle de l'invisible, on parle de l'intangible. Et ça, ben, c'est important parce que dans le monde où on vit, ben, c'est sûr que dans le réseau, hein, allô Annabelle, Véronique, bonsoir, dans le réseau ben, où moi je vis, où moi j'existe, si vous voulez, ben, l'énergie, c'est connu, hein, l'énergie, tout le monde en parle, on reçoit des soins en énergie, on ressent l'énergie, on parle de l'énergie, c'est quelque chose qui est comme connu dans mon monde et probablement que dans votre monde aussi, l'énergie c'est connu. Si l'énergie est connue, faites-moi des petits pouces, venez me dire que pour vous l'énergie c'est quelque chose qui fait partie de votre vie, que vous conscientisez, que vous reconnaissez, hein, parce que l'énergie c'est beaucoup plus que se dire en se levant le matin, ah, moi j'ai de l'énergie ce matin versus moi j'ai pas d'énergie ce matin, hein. C'est pas tout à fait juste de cette énergie-là. On va parler dans cette série de live que je vais faire, on va parler des corps d'énergie, on va parler des chakras, On va parler de l'énergie générée par nos pensées. On va parler de l'énergie des lieux. On va parler de l'énergie qui circule. Bonsoir Evelyne, bonsoir Nancy. Alors les gens arrivent de plus en plus tôt. J'en suis bien heureuse. Allô Diane. Donc je crois que je viens de passer mon 5 minutes d'attente introduction avant de rentrer dans le vif du sujet. On est déjà près de 44 personnes qui sont en ligne. Donc c'est parfait. N'hésitez pas à poser vos questions parce que c'est ça l'intention d'un live, c'est ça le but d'un live, c'est de pouvoir poser des questions, de pouvoir interagir ensemble. Si les gens m'écoutent en rediffusion, ben là, c'est certain que je vais pouvoir attraper vos questions quand je vais voir sur mon fil de la page Quintessence et ça me fera plaisir d'essayer de répondre à vos questions autant que possible, mais il est plus facile pour moi, vous comprendrez, de répondre aux questions quand on est là, live, tout le monde ensemble. Alors, les lives sont les mercredis soirs, heure du Québec, de 8h à 8h40, 8h45 habituellement. Donc, si vous écoutez et que ce n'est pas mercredi soir, ben c'est qu'il n'est pas 8h, 8h45, vous n'êtes pas en live direct avec moi, mais je lis quand même vos commentaires avec grand intérêt, vos partages, alors n'hésitez pas à venir jouer avec moi. Coucou Yvan. Donc, alors voilà, ce soir, je vous parle de conserver son énergie sacrée. Cette flamme intérieure qui est le centre de notre être. Cette énergie est sacrée parce que c'est comme le moteur de notre vie. C'est une énergie qui amène de la joie. C'est une énergie qui amène un feu, mais un feu qui est doux, qui est tranquille, qui est porteur, qui nous aide à rayonner dans notre environnement. Alors, plus notre énergie sacrée est vibrante et vivante et en lien avec votre essence, plus vous allez rayonner dans votre environnement. Et ce soir, ben, on va commencer par aller regarder ensemble le lien entre vos pensées et l'énergie qui circule autour de vous. Hey, coucou mon frère! Salut Renaud! Je suis contente, on se parle pas, mais là je te vois passer. Alors, à bientôt, hein, à bientôt. Donc, on va parler des pensées qui peuvent être de grands voleurs d'énergie. Parce que le but, c'est de savoir qu'est-ce qui nous vole de l'énergie, qu'est-ce qui fait qu'on n'en a pas assez. Et on va aller visiter ce soir quelques petits comportements des fois invisibles que nous pouvons avoir qui peuvent être de grands voleurs d'énergie. Donc, l'énergie, c'est quelque chose qu'on dégage. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Alors, vous dégagez une énergie, mais dites-vous que votre entourage aussi dégage une énergie et que cette énergie-là, ben, vous la recevez. Coucou Gisèle, allô Isabelle. Donc, c'est la danse, hein, c'est une danse énergie, c'est dans l'intangible, c'est dans l'invisible, mais c'est suprêmement puissant et présent dans notre vie de tous les jours. Vous sentez l'énergie d'un lieu quand vous y arrivez. On sent l'énergie des gens qu'on rencontre. On peut être juste à la caisse d'une épicerie. On a fait notre épicerie, on est à la caisse et on se sent plus ou moins bien parce qu'on trouve que la personne qui est derrière est un peu trop près et on se sent comme pas à l'aise avec cette énergie-là. Tandis qu'il y a des gens qui peuvent être comme collés complètement sur nous et que là, ben, on se sent parfaitement bien. C'est parce que l'énergie est compatible. Donc, notre énergie a une couleur, a une vibration. Les gens qui voient les auras voient les couleurs. J'ai un de mes amis qui voit les auras et il me dit « Ah, aujourd'hui, t'es orange. Ah, aujourd'hui, t'es plus verte. Ah, aujourd'hui, t'es un petit peu de rouge. » Alors, on peut, quand on habitue nos yeux à voir ce qui n'a pas été appris à voir, et je vous ramène à mon live de la semaine dernière qui était la perception, la conscience qu'on avait de ce qu'on percevait alors, et qu'on voyait que ce qu'on avait appris à voir. Et l'énergie, ben, on n'en a pas beaucoup appris à voir ça. Hein? À l'école, au primaire, on ne nous enseignait pas à voir l'énergie. On ne nous enseignait pas à voir l'énergie à peu près jamais. À moins que, bon, par une chance incroyable, vous ayez croisé dans votre vie des gens qui parlaient de l'énergie et qui vibraient à cette fréquence-là. Alors, l'énergie est invisible, mais que parce qu'on n'a pas appris à la voir. Donc, on a une énergie qui se dégage, mais même si on ne la voit pas avec nos yeux, on peut la ressentir, on peut la percevoir, et ça, ben, c'est important. Alors, faites-moi un petit pouce, faites-moi un petit cœur, faites-moi un petit signe si vous sentez l'énergie d'un lieu, d'une personne. Si déjà dans votre vie, c'est quelque chose de connu, de ressentir l'énergie, même si vous ne la voyez pas avec vos yeux, que vous le savez, qu'il y a quelque chose qui est hot, qu'il y a quelque chose qui a de l'allure, ou que vous savez qu'il y a quelque chose, oh, qui est un petit peu moins intéressant. Salut François, ça me fait plaisir que tu sois là. Alors l'énergie, hein, bon, vous voyez tous les symboles qui passent, donc nous sommes beaucoup à la ressentir. Et on va apprendre dans les lives qui viennent dans les prochaines semaines à un peu mieux savoir l'utiliser, à un peu mieux savoir la maîtriser pour être capable d'avoir le rayonnement le plus expansif et bon et être capable aussi de voir qu'est-ce qu'on a pu ressentir d'un environnement et que peut-être qu'il y a une énergie qui est là, qui reste à nous et qui ne nous appartient pas. Parce que l'énergie parle de l'intangible et on peut être mélangé dans l'énergie avec l'énergie de quelqu'un d'autre, avec l'énergie d'un lieu, avec l'énergie d'un moment. Et ça, c'est vraiment important à savoir, mais ça, c'est pas mon sujet de ce soir, c'est mon sujet de la semaine prochaine. Pour ce soir, je vous parle de l'énergie que vous avez le grand pouvoir de manifester et de rayonner, qui est dans votre tête. On a parlé, on a débuté un peu le cycle de la conscience la semaine dernière, où je vous disais à quel point on n'arrivait pas, à cause que notre cerveau n'était pas formaté comme ça, qu'on n'arrivait pas à vraiment percevoir la réalité telle qu'elle était dans tout son large spectre. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des conséquences de votre réalité et avec ce qui se passe dans votre tête. Ce soir, je vais vous parler des formes pensées. Alors, les formes pensées, comme vous le voyez. Hey, salut Mélanie! Comme vous le savez, les formes pensées, juste regardez les mots. C'est vos pensées qui prennent forme de façon énergétique. Alors, vous voyez l'idée? Vous pensez que tout ce qui se passe ici est pas mal secret, ne vous appartient qu'à vous et que personne ne peut être impacté par ce qui se passe entre vos deux oreilles et c'est une erreur. Ce qui se passe dans entre vos deux oreilles est une charge énergétique et cela crée ce qu'on appelle des formes pensées. Alors, salut Nina, salut Léa. Alors, les formes pensées sont des pensées qui prennent forme. Plus la pensée que vous allez avoir est répétitive et intense et remplie de charges émotionnelles, plus elle aura de chances de créer une belle boule qu'on appelle une forme pensée et qui va prendre vie par elle-même. Alors vous pouvez vous imaginer quand on conçoit que nos pensées peuvent prendre forme et devenir des formes pensées, vous pouvez voir à quel point nous avons une grande responsabilité sur le monde qui nous entoure. Vous vous souvenez, je vous ai parlé dans un live il y a quelques semaines de 100% responsable. Bien, 100% responsable hein, que j'avais modifié parce que des gens me disaient « Wow, de quoi elle parle? Je ne veux pas être responsable. » Non, ça ne se peut pas. C'est pas le bon mot. Alors oui, on peut employer le mot 100% responsable, mais on peut venir le mettre dans « Je suis 100% dans le pouvoir de créer ma vie. » Donc, quand on conscientise cet immense pouvoir qu'on a de créer notre vie, vous allez voir à quel point nos formes pensées sont une des grandes façons qu'on a de créer notre vie. Parce que si nos pensées répétitives qui s'en viennent, prennent forme et s'en vont et se dispersent allègrement dans notre entourage, bien, nous sommes créateurs et nous sommes responsables de cette bulle qu'on vient d'envoyer. Et nos formes pensées, comme je vous ai dit tantôt, venaient de pensées répétitives. Salut Jacinthe! Donc, on est responsable de ça. Et qu'est-ce qui génère nos pensées? Ben, vous le savez, je vous l'ai dit, il y a quelques lives, 60 000 pensées par jour. Hein, c'est pas une ça, hein, c'est pas deux. 60 000 pensées par jour. Donc, ces pensées-là plus elles seront répétitives et qu'elles seront impactées avec une grande émotion, plus elles vont créer une forme pensée qui va prendre vie et qui va s'en aller dans votre entourage. Donc, il faut faire attention, il faut arriver à ce que j'appelle, moi, la maîtrise de nos pensées. Alors Isabelle me dit, un ancien amoureux me parlait très négativement de la mère de ses enfants pendant un travail. Ben oui, l'énergie était tellement nocive que j'ai eu mal à la tête et des nausées. Exactement. On peut avoir, quand on est pris dans un espace avec quelqu'un qui a énormément de paroles négatives qui sortent de sa bouche, définitivement, c'est des charges et des charges négatives qui sortent et qui font que, ouh, on peut avoir des symptômes physiques. Et puis là, ben toi, tu me parles de paroles, hein, mais dis-toi que les pensées qu'on ne dit pas ont un aussi grand impact. Et c'est de ça que je parle ce soir particulièrement. Bien évidemment que tout ce qui sort de notre bouche est excessivement important. Quand on dit tourner sa langue 7 fois dans sa bouche avant de parler, dans les 4 accords Toltec, on dit « est une parole impeccable » parce qu'on est des grands créateurs par qu'est-ce qui sort de notre bouche. Alors, on disait même dans la Bible, au début était le verbe. Vous voyez, alors c'est une énergie qui sort de notre bouche. Alors, à développer le plus possible une parole impeccable est un très, très, très bon chemin pour s'en venir développer une pensée impeccable. Et ce soir, tu ne penses pas pendant un certain temps? Oui. Oui, c'est certain. Alors, on peut lâcher dans l'énergie, comme Léa le dit, bien évidemment. Donc, bien évidemment, la première étape, la parole impeccable. Pas évident. Écrivez-moi ça sur votre frigidaire. Écrivez-moi ça sur votre tableau de bord dans l'auto. Écrivez-moi ça dans votre agenda. La parole impeccable. Ce qui sort d'ici crée très, 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 très fortement. Et ça, ben, je pense qu'on le sait et qu'on en a entendu parler quand même pas mal. Je vous amène ce soir à un autre niveau. Ce qui se passe entre nos deux oreilles crée tout autant. Et ça, ça part dans l'invisible. Et ça va très, très loin. Nos paroles vont assez loin, mais elles vont dans un rayonnement quand même contenu jusqu'à un certain point. Elles peuvent se déplacer et dépasser des grandes distances quand elles sont dites avec un très fort impact. Et nos pensées juste dans notre tête vont faire la même chose. Elles vont faire une bulle et elles vont se déplacer, Et vous allez voir l'impact qu'on peut avoir. Alors disons qu'on a des pensées extrêmement de colère et de ressentiment envers quelqu'un ou une situation et qu'on macère dans cette colère et ce ressentiment pendant quelques minutes, heures, on crée une belle forme pensée de colère et de ressentiment qui va prendre vie et qui va partir dans notre environnement et qui va se promener et qui se promener. Et parce que les choses qui sont semblables s'attirent, cette pensée et cette forme pensée va être attirée vers quelqu'un qui présentement vit énormément de colère et de ressentiment. Et notre forme pensée va venir amplifier la colère et le ressentiment de l'autre qui vit peut-être à 10 rues de chez nous. Vous voyez notre grand impact? À chaque fois que vous avez une grande intensité, ça prend forme et ça se promène et ça vient amplifier toutes les autres personnes qui sont même très loin de vous, qui ont la même chose. Alors, vous voyez à quel point c'est important de le savoir et de développer une maîtrise de nos formes pensées. Parce que ces pensées-là jouent dans la grande pièce de théâtre du monde qui nous entoure. Moi, souvent, quand les gens me parlent de « Ah, mon Dieu, c'est vraiment épouvantable, la guerre, les batailles, l'attentat, le truc ici négatif, le truc là qui s'est passé », et moi, je leur dis « Ben, je veux bien, mais la seule place où on a du pouvoir, c'est en soi. » Et le seul endroit où il faut vraiment débuter l'espèce d'intégrité et d'éthique, c'est dans nos paroles et dans nos pensées pour arrêter d'envoyer ça dans notre monde et de créer cette vague qui peut que grossir dans ce qu'on envoie. Donc, si on envoie des charges qui sont moins le fun, on amplifie ce qui existe déjà à l'extérieur de nous dans le moins le fun. Et si on a des charges intéressantes, positives, on a parlé dans les dernières semaines de la gratitude, de la joie, d'installer la joie. On a vu l'échelle, hein, l'échelle des formes, des émotions et des champs vibratoires. Et si vous n'avez pas vu ce live-là, vous pouvez aller le réécouter dans la section vidéo de la page de Quintessence. Vous avez accès à tous les lives qui sont là et vous allez voir cette espèce de gradation des émotions associées avec des champs vibratoires, avec vraiment des vibrations, les émotions en lien avec des vibrations. Alors, c'est important de le savoir. Donc, on est 100% créateur et on a, je crois que vous avez l'enseignement sur ce qui sort de la bouche a un impact. Maintenant, venez vous dire que ce qui se passe entre vos deux oreilles a un impact aussi grand. Et c'est là qu'il est important de guérir nos plus grandes blessures. On a fait aussi un travail avec l'enfant intérieur, avec les blessures un peu d'âme, hein, dans un live précédent. Alors, de venir se guérir de plus en plus parce que ça fait la différence. Marie-Hélène me dit « Je suis mal prise dans un cycle d'émotions, pensées négatives. C'est très difficile de prendre le temps de m'aimer suffisamment et de m'accompagner là-dedans. » Je peux vraiment comprendre, Marie-Hélène, je t'entends bien. Je vais te donner un truc, Marie-Hélène, que je vais te donner aussi à tout le monde maintenant. Moi, une chose qui m'a énormément aidée à venir maîtriser mon champ de pensée et d'essayer d'être, de un, le plus consciente possible de ce que je pensais tout au long de la journée, de mettre de la conscience dans ce qui se passe là. Et la première étape est très, très, très importante parce qu'il s'en passe des trucs plus ou moins le fun entre nos deux oreilles. Donc, mettre de la conscience sur ce qui se passe là est très important. Devenir observateur de soi-même. Vous savez comment on peut regarder un film à la télévision, essayer de voir sa vie comme ou une scène de sa vie comme si c'était un film, de se voir en train de penser va faire une grande différence. J'ai vu EFT passer, bien évidemment. Le EFT est un très, très grand outil pour faire du ménage dans notre tête. J'ai mis une vidéo sur mon site internet quintessencesanté.com dans la section blog, vidéo dans blog, où je vous montre comment faire du EFT positif pour venir installer du positif dans votre vie. Alors, pour arriver à gérer un petit peu plus ces pensées-là, c'est ça. Être observateur, faire du EFT, dégager nos charges émotionnelles, c'est vraiment, vraiment important. Répéter les 4 phrases du Ho'oponopono est aussi extrêmement utile. Si vous n'êtes pas capable de gérer vos pensées, de les entendre, de vous mettre en observateur, apprenez ces 4 petites phrases du Ho'oponopono et faites-les. Faites-les le plus souvent possible dans la journée et vous allez réentraîner votre cycle de pensée. Donc, vous le savez probablement, mais je vous le répète, les 4 phrases du Ho'oponopono, c'est « Je m'aime »,« je me demande pardon »,« Je suis désolée », »,« Merci, merci, c'est accompli ». Et quand on dit « je t'aime », on dit « je t'aime » ou « je m'aime », on le dit à soi. Hein? Souvent, les gens me disent « ben là, je ne suis pas pour dire « je t'aime » à cette personne-là qui m'a fait tant souffrir ». Non, le Ho'oponopono ne parle pas des autres, le Ho'oponopono parle de soi. Donc, « je t'aime » mon âme, je t'aime, mon essence, je t'aime, ma lumière, mon énergie sacrée, je t'aime. Je te demande pardon d'être encore pris dans ce cycle de souffrance. Je suis désolée. Merci. C'est dégagé, c'est accompli. » Et on le répète en boucle, on le répète, on le répète, on le répète. Et c'est extrêmement, extrêmement efficace pour venir contrer ces pensées qui sont sans cesse répétantes et qui se répètent dans notre vie. Exactement. Donc, alors, voir quelles sont les blessures de votre vie qui font, Léna, tu dis que je les ai à l'envers? Alors, il y a plein de façons de dire le Ho'oponopono. Moi, je l'ai appris du docteur Hew Len et on disait « Je t'aime, je te demande pardon, je suis désolée, merci. » Je t'aime, je te demande pardon, je suis désolée, merci. Il y a plein d'autres façons de le faire. Je ne dis pas que j'ai la seule bonne façon de le faire, mais c'est comme ça que je l'ai appris du fondateur du Ho'oponopono, le docteur Hew Len. Donc, c'était vraiment les 4 phrases de base. J'ai commencé, moi, à modifier le Ho'oponopono dans les 5 dernières années où, moi, je l'ai adapté. Et je disais plutôt au nous, hein, parce qu'on est un. On est en train de remarcher vers cette unité-là. On réalise à quel point on est un quand on comprend que nos formes pensées peuvent impacter notre voisin 5 rues plus loin. Hein? On peut vraiment le voir là, tangiblement. Donc, j'ai commencé, moi, à faire le Ho'oponopono au nous, en disant « Je nous aime, je nous demande pardon, nous sommes désolés, merci ». Et en le faisant au nous, vous irez l'expérimenter et vous me direz quel impact vous voyez différent en le faisant au nous. Alors, je nous aime, je nous demande pardon, ou nous nous aimons, nous nous demandons pardon, nous sommes désolés, merci. Il y a plein de façons de le faire et c'est vraiment, vraiment puissant, le Ho'oponopono. Si vous ne connaissez pas ça, faites-moi un petit Google Ho'oponopono et vous allez avoir des tonnes de textes et même sur YouTube de vidéos qui expliquent très bien le Ho'oponopono. Alors, on revient avec nos pensées qui créent des formes pensées. Pour vraiment s'aider énormément à arrêter de faire des formes pensées, on doit réaliser que la somme de tout ce qu'on a vécu depuis notre conception est intégrée à l'intérieur de nous et qu'il y a quelque chose qui mène notre vie qui s'appelle le corps de souffrance. Hein? Et il y a plein de belles choses aussi. Hein? Il y a plein de trucs extraordinairement positifs qu'on a comme créés dans notre vie. Mais moi, ce soir, mon intention est de vous donner des outils, entre autres pour vous dégager de vos souffrances. Et ne vous inquiétez pas, je m'en viens avec le beau, le hot et le grandiose. Mais de se rappeler qu'on est entouré de quelque chose qui s'appelle le corps de souffrance. Eckhart Tolle, dans son livre Nouvelle Terre, en a beaucoup parlé. Le corps de souffrance, c'est la somme de tout ce qu'on a créé dans notre vie. Le corps de souffrance, c'est la somme de tout ce qu'on a vécu depuis qu'on est tout petit et qui n'a pas été dégagé, qui n'a pas été créé. Et Eckhart Tolle explique que ce corps de souffrance, c'est comme une bulle. C'est comme une bulle qui nous entoure et on regarde la vie à travers ce corps de souffrance. Vous voyez à quel point c'est important de comprendre qu'on a un corps de souffrance et de réaliser qu'on voit la vie à travers celui-ci et que tant et aussi longtemps que d'immenses souffrances sont là dans notre corps émotionnel, ça devient difficile d'être le maître de ses pensées et des paroles qui sortent de notre bouche parce qu'on est un peu sur un programme automatisé, si vous le voulez, ou qui est mené beaucoup par notre ego et par notre mental. Donc, de réaliser qu'on a un corps de souffrance et que celui-ci est vraiment comme autour de nous. Et dans ce corps de souffrance, il y a la somme de toutes nos blessures non conscientisées et guéries de notre enfance, de notre transgénérationnel et même de nos autres vies. Vous voyez à quel point on arrive chargé, mais c'est pas grave. C'est pas parce qu'on arrive chargé que c'est la fin du monde et qu'on s'en sortira pas. Je vous dirais que tout début de grande guérison commence par la conscience de la réalité dans laquelle on vit et de conscientiser qu'il y a un corps de souffrance qui est là, qui nous entoure, nous donne déjà énormément plus de pouvoir que si on l'ignore. Hein, comme quand je vous ai enseigné il y a 2 semaines qu'on pouvait être dépendant de nos émotions négatives, ça devient important de le savoir. Donc, c'est pour ça que je vous donne cette information-là. C'est pas pour vous décourager et que vous vous disiez, mon Dieu, que de mauvaises nouvelles. C'est pas le cas, c'est pas des mauvaises nouvelles. Je vous amène des regards de conscience pour que vous ayez le plus d'outils possible pour changer votre réalité, pour que vous puissiez de la façon la plus efficace possible conserver votre énergie sacrée. Donc, je regarde un peu mes notes parce que je m'étais pris plein de notes pour ne pas oublier. La parole impeccable, on en a parlé. Ah, il y a quelque chose qu'on n'entend pas beaucoup parler, et je vais vous en parler un petit peu ce soir. Moi, je vous parle de les oreilles impeccables. Hein? On parle de la parole impeccable. Je vous ai parlé de la pensée impeccable. Alors, c'est un work in progress, comme on dit, et je vais vous parler de vos oreilles impeccables. Parce qu'une autre grande façon de conserver son énergie sacrée, salut Francine, une chose pour conserver son énergie sacrée, c'est d'avoir des oreilles impeccables. Alors, hein, il y avait tantôt la participante dont j'oublie le prénom qui me disait qu'elle avait été prise dans une voiture avec quelqu'un qui faisait vraiment des trucs vraiment négatifs à répétition. Ben, elle n'en pouvait plus, elle avait mal à la tête, était vidée de son énergie. Vous savez, il y a des gens qui nous vident de notre énergie. Alors, choisir avec qui, de qui on s'entoure. Choisir nos amis, choisir les gens avec qui on passe nos loisirs, parce que le but d'un loisir n'est pas de se faire complètement siphonner. Et quand je vous parle d'oreilles impeccables, je vous parle surtout de ce que vous écoutez, de ce que vous écoutez à la radio, de ce que vous écoutez à la télévision, de ce que vous écoutez au cinéma. Parce qu'on peut vraiment penser qu'on va se divertir en écoutant quelque chose de violent ou de vraiment pathétique, mais dites-vous que chaque parole que vous entendez, des nouvelles qui sont toutes plus négatives les unes que les autres, des chansons d'amour, hein, dans l'auto, moi ça me fait tout le temps rire de conscientiser à quel point les chansons d'amour dans l'auto sont pathétiquement tristes, à quel point c'est tout le temps des trucs vraiment démoralisants, et que vous le savez parce que je vous l'ai déjà dit, que quand on est dans l'auto, on est en transe hypnotique. Donc là, nous, on est en hypnose, on est dans l'auto et on écoute des affaires pas drôles, on écoute des affaires pas élevantes, et ça rentre dans notre inconscient et ça devient une vérité, et après ça, on se demande pourquoi ça va pas bien. Après ça, on se demande comment ça se fait qu'on n'a pas des pensées positives, qu'on n'a pas des pensées élevantes, parce que souvent, on se laisse polluer. Joanne dit « je n'ai plus la télé ». Ben non, hein, c'est ça. Il y a de plus en plus de gens qui choisissent de ne plus avoir de télé, ou du moins, je vous dirais, oui, fini les nouvelles, genre, mais t'as tellement raison. Moi, j'ai arrêté d'écouter les nouvelles il y a 25 ans. Alors, je passe, moi, dans mon environnement pour la déconnecter qui ne sait pas ce qui se passe. Les gens me racontent « Hey, tu sais pas? » Non, je sais rien. Je sais rien. Je n'écoute pas les nouvelles, je ne lis pas les journaux, parce que, de un, j'ai étudié en communication et j'ai commencé, moi, un mémoire de maîtrise en communication sur la désinformation électronique. J'ai travaillé dans une boîte de rétro-information, c'est-à-dire, je passais tout le temps que j'étudiais en communication à taper des nouvelles, à taper la transcription de nouvelles de radio, de télé, et je me suis mis à m'intéresser à ce qui se disait, et j'ai réalisé à quel point il y avait de la désinformation et à quel point ce n'était pas la vérité, loin de là, et qu'on nous disait bien ce qu'on voulait nous dire, et que moi, ben, ça ne m'intéressait pas de me faire ramasser, de me faire mettre l'énergie à flat galette zéro en écoutant toutes sortes d'inepties, surtout avant d'aller se coucher le soir. Donc, je vous invite à, si vous écoutez les nouvelles, si vous écoutez, si vous lisez le journal, si vous écoutez la radio, d'avoir de la discrimination sur ce que vous choisissez de faire rentrer dans vos oreilles, parce que ça va jusque dans vos codes de cerveau, ça nourrit vos champs de croyances et ça peut avoir un impact ensuite sur les pensées que vous avez, sur comment ce que vous créez dans votre vie, dans votre réalité, et c'est très important. Donc, on parle de conserver son énergie sacrée. Alors, je fais une petite récapitulation. Ça, c'est mon petit truc de prof, là. Hein? La prof, elle récapitule pour être sûre qu'on suit bien. Donc, conserver notre énergie sacrée parle parole impeccable, pensée impeccable, oreille impeccable. Et là, à ce moment-là, vous allez faire une épuration de toutes sortes de choses qui vous siphonnent votre énergie. Vos propres pensées peuvent siphonner votre propre énergie, pas juste celle des autres par les formes pensées. Vos paroles peuvent vous siphonner vous-même, et ce que vous rentrez dans vos oreilles peut aussi siphonner votre énergie. Alors, vous me suivez bien, vous voyez à quel point nous sommes de puissants créateurs, et c'est à nous de décider où on met notre attention. Hein, vous savez, la physique quantique le dit, « on amplifie ce sur quoi on met notre attention. Je vous avais mis la petite vidéo aussi sur la page de Quintessence du Dr Quantum avec la théorie des fentes, de l'expérience des fentes de Jung. Donc, vous pourrez aller la réécouter si vous ne l'avez pas écoutée. Mais là, je vous parle de pratique, d'intégrité énergétique de base. Hein? Dans les prochaines semaines, on ira dans des pratiques un petit peu plus évoluées, avancées, mais là, pour commencer ma série de lives sur l'énergie, ben, je vous amène dans parole, pensée, oreille. Soyez conscients, prenez des notes de vos pensées, soyez conscients de ce que vous créez et venez consciemment au moins 10 minutes par jour créer du positif, penser des choses positives volontairement. Venez rééduquer votre cerveau à penser en bon, en grand, en positif, en gratitude, en grandiose, en wow, en hot, en extraordinaire. Venez semer ce qui se passe là dans votre tête. Ah oui, Joanne, hein? Ça fait le lien avec les trois singes, hein? Les oreilles, les yeux. Oui. Alors, la parole, les oreilles, les yeux. Donc, alors, vous voyez à quel point c'est important. Je regarde. La chose que je tiens à vous dire ce soir, parce que tout ce cycle de live-là a commencé par un live il y a quand même presque 7 semaines maintenant sur la fréquence de Schumann qui montait, qui montait, qui montait, qui montait. Une des premières manifestation dans votre vie de la fréquence de Schumann, en plus de décristalliser toutes nos vieilles blessures et tout ce qui se passe dans notre être, une des choses que cette fréquence fait, c'est que vos pensées, vos paroles vont se manifester à la vitesse de l'éclair, extrêmement rapidement. De là, l'immense importance d'être le boss, de qu'est-ce qui se passe là, de ce qui sort de là et de ce qui rentre ici. Parce que vous allez manifester la soupe dans laquelle vous baignez. Et si vous manifestez du bon, du doux, du tendre, du empathique, de la compassion, si vous manifestez ça dans votre champ énergétique interne, c'est ce que vous allez dégager. Et si c'est ce que vous dégagez, c'est ce que vous allez attirer. Alors, très, très, très important à se souvenir. Je regarde et je voulais vous parler d'autre chose. Ouais, je regarde l'heure. Je voulais vous amener un autre truc. 20h37. Je vais y aller brièvement parce qu'on est vraiment dans la suite parfaite des formes pensées. Alors, nos formes pensées, hein, je vous l'ai expliqué tantôt, ça fait des belles bulles, ça vogue à la galère et ça se disperse autour de nous. Alors, à nous de décider où est-ce qu'on va. Mais pendant des années et des années et des années, nos pensées et nos formes pensées, ben on ne le savait pas. Hein? On ne le savait pas à quel point c'était important. On ne le savait pas qu'on était des puissants créateurs. On ne le savait pas. Donc, ce n'était pas de notre faute. On ne le savait pas. Mais à force de penser, des trucs, ben on a créé énormément de formes pensées et il y a une forme d'énergie encore plus haute et plus grande que les formes pensées qui s'appelle des égrégores. Alors, si vous savez qu'est-ce que c'est un égrégore, faites-moi un pouce ou un cœur, je vais vous parler un peu des égrégores. Ben oui, François, que c'est bon pour le burn-out, bien évidemment. Tout ce qui se passe entre tes deux oreilles va créer ce qui se passe à l'extérieur, donc c'est très, très important. Waouh! Alors, j'ai comme un beau groupe qui connaît ça. C'est quoi les égrégores? Je vais quand même vous en parler, partager sur votre réseau, parce que peut-être que parmi vos amis, on ne sait pas c'est quoi un égrégore. Un égrégore, je vous dirais, j'aime les images, je vais vous donner une image. Un égrégore, c'est comme un gros, gros nuage. Un gros nuage, rempli de formes pensées de la même couleur. Donc, disons qu'on a fait beaucoup de formes pensées liées à « si je quitte mon emploi », je vais avoir vraiment de la difficulté à avoir un autre travail qui va avoir assez d'argent, puis « oh mon Dieu, je ne suis pas sûre que je vais être capable », puis bon, alors on a beaucoup mariné dans, je donne un exemple, hein, beaucoup mariné dans ça pendant, disons, des mois, si ce n'est pas des années. Et là, Bien, on a fait plein de formes pensées, de limitations par rapport à l'abondance et le travail, et on est allé se brancher sur le méga égrégore de tout le monde sur la Terre qui a pensé la même chose. Et cet égrégore-là, bien, on s'est comme connecté dessus. Et quand on est connecté à un égrégore qui est la somme d'une million de formes pensées, qui est un gros nuage, quand on est connecté à un égrégore, bien, on est branché dessus. On est loin de juste la petite forme pensée qui vagabonde et qui attrape quelqu'un d'autre qui pense la même chose, là. On est branché sur l'égrégore. Et quand on est branché sur un égrégore, l'égrégore a besoin de nous pour être nourri. Donc, il va s'organiser pour que nous ayons encore des pensées qui vont le nourrir. Donc, si on est sur l'égrégore de la trahison, bien, il va s'organiser pour qu'on vit des trucs de trahison dans notre vie et pour être alimenté. Peut-être que vous vous dites, mais voyons, mais c'est presque épeurant d'apprendre ça. On pourrait peut-être même, oui, peut-être qu'on pourrait dire que c'est épeurant, mais c'est pas si épeurant que ça quand on le sait. Alors, c'est pour ça que je participe à diffuser l'information le plus largement possible, parce qu'on est des êtres de extrême pouvoir, et quand on sait qu'on est branché sur un égrégore, on peut choisir de s'en débrancher. Tout simplement. Par l'intention, on peut choisir de s'en débrancher. Moi, je préfère, quand je me débranche d'un égrégore ou que j'aide mes clients ou mes étudiants à se débrancher de l'égrégore, je le fais même comme si là, vous visualisez là, un gros nuage avec comme une espèce de cordon qui vient se brancher sur vous et vous voulez débrancher ce cordon-là pour être complètement défait de cet égrégore-là. Alors, disons que vous êtes sur l'égrégore de « j'ai peur de laisser mon travail parce que je ne pourrai jamais m'en trouver un autre aussi payant », bien, vous pouvez par l'intention choisir de vous débrancher de cet égrégore-là et d'aller vous brancher par l'intention sur l'égrégore du succès au travail. Il y a plein de gens sur Terre qui ont immensément de succès au travail, qui changent de travail, qui en ont un autre, qui en trouvent tout le temps un, qui ont un bon salaire, on leur donne une augmentation. Ça existe, là. Alors, il y a autant d'égrégores positifs que d'égrégores négatifs. Alors, c'est à nous de le conscientiser et d'arrêter de nourrir ces champs vibratoires énergétiques négatifs, de tirer la plug. Hein? Vous connaissez l'expression? Tirer la plug de ce qui est les égrégores négatifs et venez vous brancher sur du positif. Non, les égrégores, Léa, non, c'est pas tout à fait ça, mais ça peut être ça aussi. Mais un égrégore, c'est la somme d'un champ d'énergie qui a une vibration. Et je vais vous donner un exemple. J'avais une de mes étudiantes, il y a beaucoup, beaucoup d'années, qui avait une super belle job à la fonction publique. Et elle a fait toutes ses formations avec moi pour devenir thérapeute. Et elle n'arrivait pas à avoir comme le courage de laisser son travail. Donc, elle faisait des soins avec moi et avec d'autres personnes pour réussir à avoir le courage de laisser son travail pour s'ouvrir un bureau de consultation et devenir elle-même accompagnante. Donc, elle faisait du 1 jour semaine, puis elle continuait son travail à 4 jours semaine. Et bien, elle n'arrivait pas à le laisser. Il y a quelque chose qui ne marchait pas. Donc, j'ai fait des soins avec elle. On a dégagé des mémoires avec son père. On a dégagé des mémoires sur des mémoires de première job là, qui n'avaient pas bien été. On a dégagé des trucs d'autres vies. On a dégagé toutes sortes de trucs sur la limitation de « j'ai le droit d'être qui je veux » et dans toute mon expansion. Et un jour, ben, je lui fais un soin et on arrive en kiné dans « dégager un égrégore ». Puis on fait « ben voyons donc, il y a un égrégore qui l'empêche de laisser son travail ». Savez-vous c'est lequel? C'était l'égrégore de la fonction publique. C'est comme ça qu'il s'appelait. Et c'était l'égrégore de toutes les gens qui continuent de faire un travail qu'ils n'aiment pas à cause du fonds de pension, à cause des bénéfices, des vacances, des congés, de maladies, etc. On a trouvé cet immense égrégore qui s'appelait, qu'on a appelé l'égrégore de la fonction publique, qui était rempli de toutes les formes pensées des gens qui n'avaient pas voulu laisser leur travail par peur. Et elle était branchée là-dedans. Alors, on a fait un beau rituel, on a défait l'égrégore de la fonction publique et on l'a mis dans l'égrégore des travailleurs autonomes à succès financier avec plein de clients. On l'a mis là, dans l'égrégore haute des travailleurs autonomes. Ben, imaginez-vous donc que dans les semaines qui ont suivi, elle a quitté son travail, elle a été capable, et qu'elle a ouvert sa pratique privée chez elle, dans son bureau, et que très rapidement, à l'intérieur de quelques mois, elle était complète, 4 jours semaine de clients, du matin au soir. Et elle pratique encore maintenant avec énormément de succès. Elle a une super belle pratique. Voyez-vous comment c'est important de le savoir. Alors, oui, Isabelle me dit, si vos paroles s'affichaient sur votre peau, seriez-vous aussi beau? Hein? Moi, je me dis toujours, est-ce que je laisserais les gens entendre tout ce qui sort de ma bouche ou de ma tête? Je vous dirais que je m'en viens pas pire. Avec les années de pratique, j'ai beaucoup de transparence. Hein? Et on en parlait, tu sais, quand on parlait des dimensions, on parlait des dimensions, puis on disait que les gens qui arrivaient à vivre dans ce qu'on appelle la 4e, 5e dimension avaient de la transparence par rapport à ce qui se passait à l'intérieur d'eux. Alors, vous voyez, donc, Mélanie me dit, oui, je la connais. Oui, Mélanie, tu la connais. Alors, vous voyez l'égrégore? Alors, nos formes pensées font des bulles qui finissent par se brancher à un immense égrégore. Alors, ça va être à vous de voir à quel égrégore vous appartenez. Et c'est facile, là. Regardez votre vie. Regardez ce qui va bien, ce qui va moins bien dans votre vie. Parce que vous êtes connecté à autant d'égrégores positifs qu'à d'égrégores négatifs, ou des fois 3/4, 1/4, selon nos vies, selon notre étape. Donc, regardez ce qui se passe dans votre vie. Regardez ce qui est répétitif dans votre vie. Et un des grands outils que je vous donne ce soir pour changer la donne, pour venir changer le vent de votre vie puis mettre de plus en plus de bon, d'agréable, d'extraordinaire, c'est de choisir ce qui sort de votre bouche, ce qui se passe dans votre tête et ce qui rentre dans vos oreilles. Vous voulez faire place nette ici, faire un taux vibratoire élevé ici, pour être capable de manifester ensuite dans l'extérieur. Et rappelez-vous qu'il y a cet immense égrégore au-dessus de vous qui vous tient et vous n'en voulez plus. Alors vous faites « whoosh, je me débranche » et vous choisissez sur quoi vous vous branchez. Vous êtes de puissants créateurs. La balle est dans votre camp. Nous sommes dans une grande période de libération. Libération de cœur, libération d'esprit, libération de croyances, décristallisation des vieilles blessures. On est là, tout le monde ensemble. Et c'est pour ça que je trouve ça si important qu'on se rencontre comme ça une fois par semaine. Et vous êtes de plus en plus nombreux. Là, on est toujours plusieurs milliers à écouter le live et partager. Et on va faire diffuser ça. On est des grands créateurs. La balle est dans notre camp. Alors, c'était ma leçon de ce soir, c'était mes conseils de ce soir, c'était mon éclairage de ce soir. La parole, les oreilles et la pensée. Faites du Ho'oponopono, faites des techniques de méditation, faites le silence radio et vous allez voir la différence de ce qui va se manifester dans votre vie. Je vais vous faire un petit live vendredi où je vais vous donner un outil de plus, un outil encore plus puissant pour venir nourrir ce que je vous ai amené ce soir et on va continuer de jouer comme ça ensemble. La semaine prochaine, je vais vous parler et je vais vous poser la question, êtes-vous un extra sensible? Et si oui, je vais avoir des bons conseils pour vous, des bonnes indications pour vous. Je suis une méga extra sensible comme ça et j'ai appris à gérer et à moduler mon extrasensibilité. Parce que être un extrasensible, c'est aussi une bonne chose. Hein? Ça a toutes sortes de grands avantages. Donc, je vous parle des extrasensibles la semaine prochaine. Et ben, pour le moment, je vous dis bonne fin de soirée tout le monde. Toujours un immense plaisir de passer un bout de soirée avec vous. Je crois qu'on est ensemble depuis presque 50 minutes. Et ça sera avec joie que je vais vous retrouver vendredi soir pour mon petit outil de plus. et mercredi soir prochain pour parler des extrasensibles. D'ici ce temps-là, je vous invite à faire Ho'oponopono, Ho'oponopono, au nous, au nous, au nous, de mettre en conscience ce qui a besoin d'être mis en conscience, et sachez que vous pouvez demander le soir en vous couchant, que pendant la nuit ou que le lendemain matin en vous réveillant, que vous ayez des indications de ce qui a besoin d'être dégagé, d'être transformé, d'être transmuté à l'intérieur de vous pour que vous puissiez retrouver votre énergie sacrée et la faire rayonner autour de vous le plus loin possible. Alors je vous dis bye, bonne fin de soirée, immense plaisir de partager avec vous et on se retrouve vraiment, vraiment bientôt. Le printemps est là, on est dans une vague d'expansion, on est dans une vague de cœur, à nous de la surfer. C'est vrai que ça passe vite, mon Dieu que ça passe vite, vous avez raison, ça passe comme une flèche. Déjà 50 minutes qu'on est ensemble. Donc je vous dis merci d'être là, merci d'être avec moi comme ça les mercredis. On a frôlé le 80 personnes pendant longtemps en ligne ce soir. Alors, c'est super. Alors, salut et à bientôt!